En janvier 2023, je rejoignis mon pote Manoir à Saint-Sorlin dans le but d'associer deux disciplines que nous apprécions tous les deux beaucoup, le bivouac et le ski de rando. Pour ce premier essai, nous décidons de partir du col de la Croix de Fer, direction Belledonne et ses magnifiques écluses de l'Argentière. Là, il y a une trace qui monte, là. On avance en pleine face sud, là. La neige est hyper humide. C'est une fournaise. Ravitaillement en eau. Donc là, on est au lac de la Combe, c'est ça, hein. Ouais. 2220 mètres d'altitude. Les aiguilles d'arbres en fond et la neige. Après nous être perchés en haut d'un magnifique coup de sabre, nous redescendons de quelques 200 mètres pour installer la tente pour la nuit. La température s'annonce douce malgré quelques rafales de vent. Ouais, vas-y, ah, j'y ai vendu. En espérant que ça rentre bien, faut pas qu'on ait à recreuser, faut passer une bonne nuit. Bon, le manque de neige ne facilitera pas le retour sur 501. Mais l'essai est concluant, alors nous ne resterons pas là. Mi-mars, on décide d'en mettre le couvert. Les récentes chutes de neige nous permettent de réaliser une magnifique session poudreuse. Nous skions une matinée avec Maxence, skieur freestyle. Nous décidons de réitérer l'expérience du bivouac en ski de rando. Mais cette fois, nous dormirons à la Belle Étoile pour encore plus d'immersion. Et puis, je vais arrêter de parler. Les images le feront d'elles-mêmes.